Et en remerciement de tout ce qu'il a légué à la nation haïtienne, un court extrait du discours « L'idéal des Saliniens » de Louis Mercier, que j'ai publié dans « Louis Mercier à la reconquête de l'idéal haïtien, une voix d'hier pour aujourd'hui et demain », qu'il a prononcé à l'occasion de l'inauguration du portrait de Dessalines dans la galerie des héros américains du lycée Philippe Guerrier du Cap-Haïtien. Son leitmotiv le plus mémorable de ce discours, répété plus d'une dizaine de fois et élaboré à chaque fois, et dont je fais le titre de ce passage, est le suivant: on n'est pas haïtien si on n'est pas Dessalinien. Dessalines est le plus authentique et le plus pur produit du système colonial, celui qui semble avoir reçu la plus forte impression du stigmate de l'esclavage, qui en a le plus souffert et dont les actes ne sont qu'une réaction violente contre des maîtres violents. Si on étudie sa vie sans avoir au préalable approfondi les horreurs du régime colonial, si on ne place pas Dessalines dans le cadre véritable où il a évolué, on commet une erreur considérable qui fausse tous les jugements qu'on peut porter sur lui. Il faut se dépouiller de ses conceptions de civilisé et de chrétien, se mettre, si j'ose dire, à l'état neutre, pour ensuite sonder les profondeurs du mal colonial, se résigner à s'enliser dans la boue infecte de l'esclavage, afin de comprendre Dessalines, son comportement et le bien que nous lui devons. On lui a prêté des cruautés inouïes, comme si l'on est cruel quand on rend aux adversaires cruels la monnaie de leurs pièces. Des soldats indigènes sont indignement mutilés à la cule. Le lendemain, tout autour de la ville du Cap, pendent sur de nombreux gibets les cadavres de soldats français. C'était la réponse logique de Dessalines. Quand on désire conquérir une patrie et la conserver afin de sauvegarder sa liberté, on doit employer les moyens qui s'imposent. La guerre se fait avec les armes de la guerre ou ne se fait pas du tout. Dessalines était le seul homme qu'on put opposer à Rochambeau et à tous ces barbares officiers. Il est temps que les Haïtiens réalisent pleinement cette vérité. Pas de Dessalines, pas d'indépendance. Nous commençons à reprendre conscience de notre personnalité et de notre vocation. Dessalines grandit de plus en plus et devient un magnifique symbole. Il incarne notre idéal de peuple noir, d'unique peuple noir libre et indépendant. C'est pourquoi, dans l'espoir d'élever toute une jeunesse qui cultive le sublime idéal dessalinien, nous plaçons aujourd'hui dans la galerie des héros américains du lycée Philippe Guerrier le portrait de cet être immense par ses souffrances, immense par sa haine de la haine, immense par ses réalisations, immense par la prodigieuse projection qu'il a lancée dans cette voie ténébreuse que suit notre humanité. Cet être qui s'appelle Jean-Jacques Dessalines, l'impérateur. Pour revenir au titre du passage, on n'est pas haïtien si on n'est pas Dessalinien. C'est-à-dire
Dieu ne fait pas l'impossible pour aider l'Haïtien à monter haut, encore plus haut, toujours plus haut, afin d'imposer le respect et la considération de ceux qui n'attachent de l'importance qu'au bien matériel et aux connaissances intellectuelles, sans aucune considération de la valeur morale de l'individu. N'est-ce pas en partie ce qui nous est demandé à chacun? Une grande part de l'idéal de Radio Solidarité dont nous célébrons la 4e année d'existence. Joyeuse 4e année à tous ceux qui continuent à travailler d'arrache-pied pour remplir la mission qu'ils se sont donnée. Je suis heureuse de pouvoir vous accompagner. Joyeuse 4e année Radio Solidarité.